Salut à tous, dit Tonton Fred, épisode 35, les OBOS. Non, ce n'est pas des OS, système d'exploitation pour un certain personnage d'une saga de science-fiction bien connue. Désolé, il fallait que je la sorte celle-là. Non, les OBOS, HOBBY, donc OBOS, voilà, comme ça, c'est des petits systèmes d'exploitation, souvent développés par des passionnés, mais qui n'ont pas le but de devenir des projets professionnels et très, enfin, professionnels et très complexes. Comme disait Linus Torvalds en 91, quand il a commencé à développer Linux, c'est un petit projet. Comme quoi, parfois, les OBOS peuvent prendre de l'importance. Les principaux OBOS, c'est style Scalable, qui est un peu au point mort. C'est MenuOS, un OS qui existe et qui tient sur une disquette. Oui, qui tient sur une biscotte informatique, entièrement développée en assembleur. Je vous mettrai les liens dans le descriptif, ça dépote. Il y a aussi des projets un peu plus bizarres comme TempleOS. Celui-là est assez spécial, je vous mets les liens dans le descriptif, c'est du lourd. Vous avez aussi VOPSIS, il y a FeuSkyOS, il y a beaucoup de petits OS développés comme ça pour le plaisir, qui permettent de changer un peu les idées, de parfois d'être étonné par le niveau technique, réellement technique, de certaines personnes. Ce n'est pas des personnes qui se limitent à sortir un outil de remasterisation d'ISO pour dire « Super, j'ai pondu une distribution Linux, je suis le roi du monde !» Voilà, donc, si vous voulez voir des... on pourrait dire aussi que Haiku et la réimplémentation de BIOS est un OBIOS sur certains plans, mais les OBIOS, c'est vraiment des trucs très spécifiques. C'est style écrire un OS entièrement d'assembleur, comme MenuOS. Je ne sais plus comment s'appelle sa version 64 bits. Enfin, bref, je vous mettrai dans le descriptif, comme d'habitude. Donc, si on vous demande un jour c'est quoi un OBOS, eh bien, c'est tout simplement un système d'exploitation développé par une personne. Il y a aussi un OBOS que j'ai oublié de parler, c'est Tuaru. Je mettrai le lien dans le descriptif. C'est un OBOS assez intéressant, assez impressionnant. Donc, un OBOS, c'est un OS développé par le plaisir pour des développeurs qui ont envie de voir jusqu'où ils peuvent aller, sans vouloir justement jouer le maître du monde et de dire mon OS va révolutionner la planète. Ils savent très bien que c'est pour le plaisir qu'ils le font, et c'est largement plus sain que nombre de projets basés sur FreeBSD ou sur Linux, qui au final n'apportent pas grand-chose au schmilblick, si ce n'est de dire, ah vous voyez, ben, je sais faire ça. Pourquoi pas? Après, si ça aide les personnes à trouver du boulot, tant mieux pour elles. Voilà, c'était une courte vidéo. Je voulais la faire aussi parce que c'est un sujet que j'avais envie d'aborder. Sur ce, je vous laisse, je vous dis salut à tous, à la prochaine. Bye bye!